Polonais a l'air vraiment infecté. Polonais, on vient juste de m'apprendre que le diabolique docteur Dingue est en cavale. Le docteur Dingue est le frère jumeau du docteur Gang. Dès leur plus jeune âge, ces deux criminels ont été d'inséparables complices. Puis le docteur Gang a entrepris de bâtir son empire maléfique, tandis que le docteur Dingue se tournait vers le terrorisme international. Il y a quelques années, le docteur Dingue et trois de ses acolytes ont réussi à s'introduire dans un silo, un site souterrain de lancement de missiles nucléaires, situé dans l'Arctique. Mais ils n'ont pas programmé les bons codes de lancement, ce qui a déclenché un système d'alarme. Ils ont été engloutis par une avalanche. À présent, ils sont sortis des glaces. Le docteur Dingue va sans doute essayer une nouvelle fois de pénétrer dans le silo pour mettre son plan à exécution. Lancer des missiles sur les bases militaires du monde entier, laissant notre planète sans défense. Familiarisez-vous avec le visage, ces criminels. Celui-ci, c'est Bulldog. Il peut mordre le béton et le métal grâce à sa mâchoire en acier et à ses dents tranchantes comme des rasoirs. Mon immédiat s'impose, mon colonel. Quand la poudre peut faire jaillir des éclairs de ses bras. C'est Crash. C'est un expert en explosifs. Gadget devra protéger le silo abritant les missiles nucléaires et capturer le Docteur Dingue et toute sa bande. Bien, mon général. À vos ordres, mon général. Je l'envoie immédiatement s'occuper de cette affaire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Voilà une attitude positive. Bravo, colonel. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Allez-y! Vous avez raison, comme d'habitude, mon colonel. Le devoir avant tout. Oh, et je l'ai oublié. Vous pouvez garder la pommade. Baume apaisant et rafraîchissant pour coups de soleil et égratignures et éruptions cutanées. Attention, effet indésirable peut provoquer des gonflements. Messieurs, il me semble que le meilleur moyen d'appréhender ces vauriens est de nous séparer. Pour gagner un peu de temps, vous allez descendre ici, tandis que je me rendrai à la destination prévue initialement. Parachute ? On reste en contact, messieurs. Cette fois, je vais enfin t'avoir, Gadget. Gang, c'est moi, ton petit frère. Dingue, en chair et en os. Alors, qu'est-ce que tu mijotes? Oh, rien de spécial. Je me détends, je regarde la télévision. Allons, tu détestes la télévision. D'ailleurs, tu détestes tout. J'en conclus donc que tu es en train de regarder quelque chose que tu détestes. Mais qui c'est, cela? C'est pas tes oignons. Tu veux être débarrassé de ces gars-là, hein? Je peux m'en charger pour toi, tu sais, frangin. Je peux très bien m'occuper de ça tout seul. Je te parie que mes hommes et moi, on peut le faire plus vite. C'est pas vrai. Si c'est vrai, d'abord. Non, même pas vrai, je te dis. Ouf! Ah ben finalement, c'était pas si... Les méchants, Pidgeot! Au nom de la loi, je vous arrête! Rendez-vous sans faire d'histoire ou j'appelle le lieutenant! Bulldog, avoir très faim! Nim, nim, nim! Non, elle a lâché le tout de suite. C'est
C'était hyper fastoche, hein. Bulldog avoir encore faim. On a tout fini notre boulot, patron. On peut aller piller un village pour s'amuser maintenant. Attends, je vais me renseigner. Hé, frangin, t'as besoin de méga pour autre chose? Tu veux qu'on te débarrasse de celui-là? Non. Gadget est à moi. Le lieutenant Gadget? Mais c'est moi qu'il doit rechercher. Le docteur Dingue, le cerveau récemment échappé des glaces, c'est moi. Cerveau, toi. Parfaitement. Je vais te le prouver. T'arriverais même pas à piquer sa sucette à un bébé. Je te parie 5 euros que mes petits gars peuvent voler la voiture de Gadget. Les doigts dans le nez. Paris tenu. Et ces braves gens ont peut-être aperçu nos malfaiteurs. Excusez-moi. Oh, bonjour, madame. Non, monsieur. Vous devriez vous méfier. Je sais de sources sûres que des criminels en cavale rôdent sournoisement dans les environs. Vous n'auriez rien vu de suspect par hasard? Oh, mais si, justement! Ces brigands nous ont volé notre automobile! Nous sommes coincés ici! Ça alors? Mais c'est affreux! Je vous dépose quelque part! Oh, cher monsieur, vous êtes trop aimable! Oh là! Non, dans la chaîne! Qu'est-ce que... Oh. Ah. Du rafting, quelle bonne idée, j'adore. Et go, go, gadget au kayak pneumatique. Oh là. Oh. Et hop. Au revoir, monsieur. Ravi d'avoir pu vous être utile. Je te l'avais bien dit. Allonge la monnaie, frérot. Gadget n'abandonnerait jamais son véhicule. C'est sûrement un piège. Peut-être bien que tu l'as surestimé, ton gadget, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en sais? Ça fait des années que tu as disparu de la circulation. Ouais, et tout ça à cause de quelqu'un qui m'a laissé dans la glace pendant tout ce temps. Mais t'en fais pas, frérot. Je suis pas du genre rancunier. La preuve, ça te dirait qu'on devienne les maîtres du monde, rien que toi et moi. Comment? Le silo? Le silo? Tu as déjà échoué une fois, et ce sera pareil cette fois-ci. Non, cette fois, j'ai un plan diabolique. C'est Gadget qui va tout faire à notre place. Ce sera de la rigolade. Fais-nous confiance, à moi et à mes gars. On s'occupe de tout. Oh, sors tout de suite de mon fauteuil! Je n'arrive pas à activer l'auto-reconstruction à distance non plus. Je crois que tu as raison. Ça doit être le froid. Comment on va faire alors? Eh ben, puisque l'auto-reconstruction ne marche pas, il ne vous reste plus qu'à rassembler toutes vos pièces et à les remonter à la main. Ah, le hic, c'est qu'on n'a pas de main. Peut-être, mais vous avez une mission. Vous rendre au silo et assurer la protection des missiles. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne compte pas du tout pour elle. Attends, je viens d'avoir une idée. Oh, oh. Et sauf erreur de ma part, je suis revenu à mon point de départ. Oh. Cher monsieur. Non, ta gadget, cette brave dame a perdu son sac à main. Je me dois de le lui rapporter. Les traces de la gadget mobile. Go, go, gadget au luge. Oh. Merci beaucoup.
Alors, vous avez retrouvé la forme? La forme, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. En tout cas, on est en route pour le silo. Bon, écoutez, le silo est protégé par un code pratiquement inviolable. Je vous envoie les plans d'un passage secret. Comme ça, vous pourrez accéder aux missiles et les protéger. Cette gentille famille vit dans une caverne de glace. Si ce n'est pas malheureux de voir ça. Oh, ouais, il y a quelqu'un. Oh, oh, voilà notre sauveur. Oh, nous avons eu tellement peur. Tenez, madame, votre sac. Vous l'avez oublié lors de notre dernière rencontre. Tout ça à cause de ces sales petits voyous. Ils se sont introduits chez nous et nous ont enfermés dehors. Ah, étonnant que vous vous soyez réfugiés dans cette sinistre caverne. Exactement. Nous aurions besoin de récupérer deux ou trois petites choses, mais nous avons bien trop peur de nous approcher de la maison. Ouais, des vêtements de rechange, quelques boîtes de conserve, une ou deux couvertures, ce genre de choses. Bulldog vouloir missile. Fiston, c'est très vilain de dire des gros mots. Et les enfants racontent vraiment n'importe quoi. Alors dites, vous voulez bien nous aider? C'est un plaisir de venir en aide à une aussi charmante famille. Attention, cela pourrait être très dangereux. Permettez que j'entre le premier. Coco Cacchetto super laser. Ouh, chouette! Je vais enfin pouvoir terminer l'écharpe que j'étais en train de tricoter. Et moi, je vais récupérer mes charentaises. Bulldog devenir maître du monde. Libre. Quelle décoration originale! Et que signifie ce dessin noir et jaune? Ça, c'est le prix que j'ai reçu pour les salades de mon jardin! Non, j'adore le jardinage! Et quel genre de salade? Voyons, le nom m'échappe. De la roquette! C'est contrôle l'arrosage automatique du potager dans notre serre souterraine. On dirait que ça ne fonctionne plus. Ne vous faites pas de soucis. Je vais sauver vos plantations. Oh, ces commandes semblent équipées d'un verrouillage de sécurité à toute épreuve. Heureusement, je dispose du gadget adéquat. Go Go Gadgetto, super décodeur de verrouillage de sécurité. Et voilà, un jeu d'enfant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à orienter correctement les arroseurs. Cela ne devrait pas poser de problème. Alors, dans quelle direction? Si possible, en direction de Washington, de Paris et de Londres. Nous avons donné à nos plates-bandes le nom de nos trois bases militaires internationales préférées abritant des missiles nucléaires, voyez-vous. Vous avez une imagination débordante. Lancement des missiles dans 2 minutes. Quoi ça? Ce sont encore ces vauriens. Ne vous inquiétez pas, chère madame. Je vais m'occuper de ces chenapans. Pourquoi tu m'as poussé dans l'escalier? Je ne t'ai pas poussé, j'ai glissé. Mes genoux ne fonctionnent plus très bien. Je vous tiens à présent, bande de scélérats. Lieutenant Gadget, c'est nous, Fidget et Digit. Ne me prenez pas pour un idiot. Je connais très bien les agents Fidget et Digit. Et je peux vous dire que vous ne leur ressemblez pas du tout. Au nom de la loi, je vous arrête. Lancement des missiles dans 20 secondes. Et si vous ne vous rendez pas, je vous préviens, vous allez le payer très cher. Je vois qu'on est devenu raisonnable. Alors, ne tentez pas de vous enfuir, c'est inutile. Lancement des missiles dans 3 secondes. 2, 1, mise à feu. Vous ne vous en tirerez pas comme ça.
pensée. Je vais devenir le maître du monde, le maître absolu. Tu crois ça? Ah, y a pas de doute, Pidgeot. Cette fois-ci, c'est sûr, notre dernière heure est arrivée. Pidgeot, on est en communication à trois avec Pidgeot. Je veux que vous suiviez tous les deux mes instructions à la lettre. Dévissez le panneau principal. Et en plus, vous vous rendez coupable de destruction de biens privés, Vaurien. Coupe le fil et la bombe sera désamorcée. Couper le fil, tu peux être plus précise? Vous échappez, hein? Vous êtes décidément très têtu. Go, go, Gadgetto, l'assaut! Oh là! Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement! Et maintenant, au tour de votre complice! On a réussi, on a eu Gadget! On lui a réglé son compte! Ouais, on est débarrassé de lui, le docteur Dunk sera satisfait! Allô? Je veux dire allô, hein? Lieutenant Gadget à l'appareil, j'ai une bonne nouvelle. J'ai arrêté les deux malfaiteurs, mais malheureusement, deux de vos scooters de neige ont disparu. Par chance, j'ai réussi à récupérer le troisième et je vous le rapporte tout de suite. T'es sûr que ça leur ferait plaisir? Mais de quoi il se mêle, celui-là? Il va tout gâcher! Il faut l'en empêcher. Tu dois m'aider! Oh, ça oui, je vais t'aider. Je vais t'aider à retourner d'où tu viens. Hé, frangin, mais qu'est-ce que tu fais? On se revoit au prochain déjeuner, petit frère. Ah, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton frère. Je me demande si on ne va pas un peu trop vite. Gogo Gadgetto à air au frein. Ah, ça n'a pas marché. Le missile. Docteur Dunk! Docteur Gadget! Ce scooter des neiges a un sérieux problème de direction! Je ferais mieux de le réparer! Et go, go, Gadget, au clé à molette! Oh. Non, la gadget! Il a percuté la montagne! Ouah! Nous sommes sauvés! Mais c'est quoi ce bruit? Le docteur Dingue et sa bande viennent d'être appréhendés. Pour la seconde fois, ils ont été pris dans la glace à la suite d'une avalanche. Et voilà, encore une mission couronnée de succès. Non, ta gadget, vous feriez mieux de me laisser vous arracher ce poil une bonne fois pour toutes. Non, pas question. Allez-vous-en. Je vous en prie. Je comprends, mon colonel. Mais si jamais vous changez d'avis, vous n'avez qu'à attacher une extrémité de cette ficelle à la poignée de la porte et l'autre à votre poil au nez. Ensuite, c'est simple, vous claquez la porte. Cette méthode a déjà fait ses preuves avec les dents branlantes. Eh bien, mon colonel, à vos ordres, mon colonel. Gogo Gadgetto, pas de fusée. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Oups, désolé, j'ai oublié de vous donner l'autre bout de la ficelle.